Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Victoria 3 dans lequel nous jouons la France. Objectif, coloniser l'entièreté de l'Afrique. Et j'ai renommé l'Afrique rose. Alors, on était où? Ah oui, on était un peu méprisable. Oh, je me demande pourquoi. Effectivement, on avait tapé le Sokoto, on les avait obligés à devenir un état fantoche. Ils avaient eu de l'aide de la part des Espagnols, on a libéré la Catalogne, et également de la part des Pays-Bas, on a pris le port de traité de Côte d'Ivoire et le Ghana français. Enfin, on a pris le Ghana qui était néerlandais, mais on a fait le Ghana français quand même. Pendant les guerres en Gujarat. Oui, ça. Kutch, Kutch. Ah, mais attends, c'est pas ici ça? Non. Je sais pas ce que c'est que Gujarat. Un signe contre qui va. Ok, ouais, qui va. Qu'est-ce qu'ils font? Ils annexent? Conquérir! Oh, carrément. Réparti de monnaie, ok, parti bonapartiste ou un petit peu plus de production de papier. Non, production de papier, hein. Parti bonapartiste, on n'en veut pas. Hein. Ok. Est-ce que je peux le réformer? Ah ouais, on avait vu, mais non, non, c'était hors de question. Alors, il y a plein de trucs là. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Pétrole découvert en LB. Et ça, on s'en fiche. Alors, c'est où l'LB? Ok, ah oui. C'est ici, non? Donc ce soit là. Non, ça doit être là. À côté de la frise. Je crois. Je suis pas sûr, mais. Ça me dit quelque chose par là. Ok. On avait la loi liberté d'expression en cours. Ok. Et on a gagné un bon excédent. Ouais. Pourtant, j'ai. Ouais. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des secteurs de construction. Hein. Hop là. Oh la vache. Dix, c'est pas mal. Hein. Ouais. Sinon, le fonds d'investissement, il suivra pas. Voilà, on a fait une dizaine de secteurs de construction. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le kutch. Mais je sais pas où t'es, hein. C'est ouf. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ils ont le pétrole là-bas? Ah, ok. Les derniers monarchistes. Nous, on laissait le passé derrière nous. Exactement. Discorde au sein des ruraux. Ouais, super ça. La petite bourgeoisie tende la main au dissident. Oui, la petite bourgeoisie est toujours sympa. On avait fait quoi? Ah oui, on voulait débloquer, je crois, dans la production, les outils pneumatiques pour avoir plus de production de bois dur, etc. Enfin, tous les bonus qui sont absolument fous. Production de bois dur, plus 25%, capacité de production des bâtiments de secteur de construction, plus 10%, plus 25% de probabilité de découverte de ressources. C'est juste énorme. On est à 68%, on pourra pas faire mieux, c'est déjà bien. En soi, c'est bien. T'as un syndicat de travailleurs, mais les faire rejoindre, ça poserait problème. Donc non, on va pas les faire rejoindre. Le gouvernement. On a un demi-milliard en PIB, c'est pas dégueu. Oui, tout ça, c'est du charbon. On n'a plus beaucoup forcément de tension vu que on a la majorité
des colonies qui ont été faites, qui ont été annexées. Je vois que j'ai un besoin de dynamite. Est-ce que j'en produis? Non, j'en produis pas. J'aurais besoin d'en produire. Là, si il est cher maintenant, j'imagine pas tout à l'heure. Ah ouais. Je vais en manquer facilement de 2000. Oula! Qu'est-ce que... Pourquoi ça a licencié d'un coup là? Ah, c'est l'engrais qui est pas assez cher. On va exporter l'engrais. Engrais chimique, si j'ai la technofixation à l'azote. Qu'il faudra que je fasse, ouais. Je vais quand même exporter. Exporter tout ça, je peux en exporter 300 sur le marché ottoman. C'est ce qu'on va faire. Je vais le subventionner en attendant. C'est picote la subvention. Hi. Mais bon, j'ai un bon solde d'engrais. Est-ce que je baisserai pas d'ailleurs la production? Ah si, clairement. Hein. J'arriverai à un prix correct sur l'engrais. Quoique là, vu qu'il s'exporte, il est moins... Ah bah non, 3000. Non. Non. Je vais arrêter d'en faire. Et là, je vais en rajouter 10. Hop. Un discours passionné et passionnant. Cet après-midi, Georges Clémenceau. Ah. D'accord. Chef des élites intellectuelles a prononcé un discours enflammé en faveur de la promulgation de la loi Liberté d'expression protégée. Hop, plus 15%. On est à 80%. 80,6% pour être précis. Si elle passe pas, c'est vraiment pas de bol. Capacité d'imposition un peu faible. Oui, c'est pas très grave. Combien on perd? Soit... Ah. Oh la vache! 60 000? Eh ben bonjour. Normandie, Champagne, Auvergne, Orléans, Niger, Rhône, Picardie. Eh ben, ouh, la Bourgogne. Oh mon salaud, les Bourgons, ils payent pas beaucoup d'impôts. Hein. Bon, on va faire ce qu'il faut. Champagne, Champagne. On va quand même vérifier qu'on a à chaque fois ce qu'il faut en infrastructure. Ouais. Auvergne. Voilà, on n'a pas ce qu'il faut. On va ferrer. Orléans. J'ai pas regardé. Oui, c'est bon. Normandie. On va devoir en rajouter une. Rhône. Ils n'ont pas grand chose en vrai. 4, parfait. Picardie. Ouais. Ah. Je pourrais faire la techno-téléphone, mais je crains de ne pas avoir assez de caoutchouc. C'est bon. Après, ce que je pourrais faire, hein, vous allez me dire, ce que je pourrais faire, c'est au niveau de la production. Il est où le caoutchouc? Il est là. Attends. Oui, c'est ça. Bâtiments ruraux. Caoutchouc, 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 tu es où? C'est le faire passer en irrigation automatique, ce qui me permettrait d'avoir 2000 caoutchoucs de plus. Après, 2000 caoutchoucs de plus, est-ce que ce sera suffisant au niveau du téléphone? On en exporte, ça doublera. Ah ouais, c'est quand même. Mais pour 2000 caoutchoucs, ça me demanderait combien de moteurs? Non, parce qu'il y a ça aussi. Ça, c'est la bonne question, ça. 345 moteurs. Est-ce que ça suivrait au niveau du Limousin si je rajouterais une demande de 345 moteurs? Sachant que j'ai même pas encore l'électricité. Hein. L'électricité, ça m'en demandait des moteurs aussi. Hein. Oh, loulou. Si
une bonne question. Alors, je vais checker, on va voir tout ça. Administration. Oh la vache, ah ouais, j'en ai fait une chier des administrations. Peut-être besoin de faire du papier là. Ouh. On va faire une dizaine de plus, ouais, du papier. On va rajouter de la voie ferrée, on a ça. Et bah, j'ai bien l'impression qu'il va falloir faire de la scierie. On va avoir besoin de moteur, donc on va partir sur de la scierie. On n'a pas assez en infrastructure, on va en augmenter une. Et on va partir sur 10 usines de moteurs. Et on fera ensuite la production améliorée. Et on essaiera de se faire des usines électriques. Enfin d'électronique. Attends, je peux faire. Non. Attends, je peux pas les faire, on est d'accord. Ouais, une électrique, on peut pas. Parce que j'ai pas la techno. Je me disais, j'ai même pas l'électricité, donc comment je pourrais avoir l'électronique? Au niveau des institutions, je pourrais également peut-être augmenter le système de santé. Là, j'ai du RAB. Bah, tant qu'à faire, hein, autant l'utiliser. On a 40 millions dans le fonds d'investissement, ouais, c'est pas mal ça. Ça peut très très vite être utilisé par contre. Ça peut vraiment partir très vite. Quand on a de l'acier. On aura besoin de soufre. On va vraiment avoir besoin de soufre. C'est parti. Je dois en avoir autre part quand même du soufre, hein, quelque part en Afrique. Ça peut me dire qu'il y a. Ah, il n'y a pas tant que ça. Hein. Ouais, quand même. Il y a là. Ici, mais là, j'ai du pétrole et. Il n'y a pas beaucoup de paysans. Donc on va éviter. Il y en a ici. Ah merde, il y en a ici ou. Je crois en avoir vu. Ah, il y en a ici. Il y en a au Sénégal. Mais c'est pas assez. Ici, il n'y en a pas. Il y en a en Sindh. Je sais qu'il y en a en Italie, mais bon. On va éviter quand même. Faible accès au marché, Normandie. Je crois avoir vu. Non, je me trompe. Ouais, non, je me suis trompé. C'était où le deuxième? Je sais plus, moi. C'est pas en Champagne? Ah oui, oh la vache. Ah oula, oui. Hop, on va faire deux voies ferrées. Ouais. On a la batteuse qui est disponible. Ça fait travailler moins de personnes, mais ça m'intéresse pas de suite. Je suis pas en manque de travailleurs, donc je vais pas utiliser. 17,1, wow, le niveau de vie, il augmente un peu trop. Hein. Le problème c'est que ça va plus être très rentable après. Hein. En fait, le niveau de vie va augmenter, ils vont demander des salaires plus élevés et mes entreprises vont pas être rentables. On est à 28, ok. Donc premier truc là, c'est que je vais reprendre le sort occidental russe. Non, au département des philosophies d'unité de mise en vente, une pétition officielle pour commencer le financement de leur projet. Je peux me permettre. Plus de technologies sur psychanalyse, ouais. C'est pas que ça m'intéresse spécialement, mais. C'est toujours ça de prix. Oh, 4000 quand même sur 10 000, c'est pas dégueu. Mon sens de multiplicateur du coût en bureaucratie de la population, c'est pas mal. Du pétrole en Côte d'Ivoire. 4. C'est toujours ça de prix. Colonisation de Sahara est terminée. On va incorporer.
Ah oui. Est-ce que j'en avais d'autres à incorporer? La Zambésie, l'Équateur et le Congo oriental. Allez hop, voilà. Là, on va avoir ça. L'Angola oriental à incorporer ici. Ça a l'air d'être bon. On a pris tous les territoires. Ouais. C'est pas si mal, mais c'est pas assez. En information, pacte défensif avec l'Égypte. Ok. Ok, la majorité des constructions sont faites. Les outils, j'en exporte un paquet. Est-ce que au niveau. Oui, ça suit. Au niveau de l'acier. Donc je vais pouvoir en refaire une dizaine d'usines à outils, de fabrique d'outils. Le fer, on va aller en chercher d'autres. Je sais même plus où est-ce que j'allais chercher. Ici, qui était complet, et en Bourgogne. Allez, c'est parti. Le plomb. Ah, le plomb, j'avais pris pareil ici, et on était parti dans le Rhône. Il me semble que ça produit plus en creux, c'est ça? Ah, que des mines à charbon. Ah, c'est con ça, j'en ai pas. J'en ai mis 4. Ah bah. C'est valoche, je les ai fait en plus en Armagnac, non, en Aquitaine. Ah bah c'est bête ça. Ouais. Ok. La Catalogne. On n'est pas de toi et moi, non? Ouais, cher à financer quand même. Le caoutchouc en rayon de Visayas. Ok. Togo français, j'ai du caoutchouc également. En Togo. Ok, c'est bien tout ça. J'ai pas assez de construction en cours, faut vraiment que j'en fasse plus. Le soufre, oui, le soufre. Oh. Le soufre, des bateaux à peur. Non, le soufre là, va vraiment falloir. Plus 33% du prix. Et j'en importe. Oh. J'en exp. Non, j'en importe. On est d'accord. Ouais, j'en importe. Potentialité. Ah! J'en ai en Tunisie. Nice! Ça, c'est bien ça. Je vais faire dans ce cas une voie ferrée. Et là, je vois que je peux faire 20 usines de soufre. 20 mines, pardon, de soufre. Production de bois dur sera augmentée de par la technologie. En Bretagne. Non, c'est en Normandie. Je vais refaire quelques chantiers navaux. Je vais en faire 5. Ce sera pas mal. Le bois commence à être cher et les meubles aussi. Même si j'en exporte. Je vais me refaire du bois quelque part. Potentialité. Ouais. Ouais, mais non, là, il y a du soufre. On va pas déconner. Le soufre, c'est trop important. Là, il y a du caoutchouc. En gros, il n'y aurait pas de caoutchouc si possible. Ici, hein. C'est pas dégueu. Il y a l'infrastructure. Ouais, dans le Cameroun ou méridional, c'est parfait. Là, j'ai tout. Là, il y a du caoutchouc. Là, c'est déjà occupé par le tabac. D'ailleurs, le tabac. Mince. Le tabac. Ah! On va pouvoir en rajouter aussi. Ça, c'est bien. Je suis comment au niveau infrastructure? Ok, j'en rajoute une dizaine. Et on va continuer sur le bois. Là, les endroits, il n'y a pas des endroits peuplés? Ah, c'est dépeuplé, mais. C'est dépeuplé au Moody. Souffle. Y'a rien.
Ah non, pas de population, non? Du bois là, il y a du bois, il y a du population, il y a du bois, c'est bien. Mais en Algérie, non, c'est pas là. Non. Si, si. On va le faire. C'est toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Là, tout là, à mon avis, c'est en train de se faire les voies ferrées. Je vais attendre un peu. On va quand même vérifier au cas où. Non, même pas. Mais qu'est-ce que je fous quand je... Je sais pas ce que je fais quand je lance la production, c'est taré ça. Limousin, bah non, c'est là où j'en viens. Languedoc. Je sais pas ce que je fais hein, quand je produis. Le Rhône, c'est en train d'en faire. Et la Bourgogne, c'est en train d'en faire. Ok. Qui sont chers. Ok, proposition d'alliance du Brésil, oui. On est copains avec eux depuis un moment. Les outils sont chers, par contre. On a les outils pneumatiques, oh yes. Ça, c'est bon. Et là, il y en a une dizaine de niveaux qui se font. Ok, parfait. Donc, on disait, on a les outils pneumatiques et on voulait partir sur quelque chose, je sais plus quoi. Électricité, peut-être, ouais. Non. Sur quoi je voulais partir? Ah, la turbine à vapeur. Centrale à charbon, méthode de production pour les centrales. Ouais. Si, il y a quelque chose que je peux faire, il y a un truc qui demande du pétrole. Et que je n'ai pas. Et que je pourrais faire, je sais plus ce que c'est. Non. Conservation sous vide. Ça importerait à balle d'aliments. Il n'y a pas autre chose. Je suis sûr d'oublier quelque chose. Ah, c'est les procédés arc électriques, non? Ah, c'est vrai qu'il y a les téléphones aussi que je veux faire. Quoi, c'est les motopompes à les pompes à diesel? Ah ouais, plus 4000 charbon quand même. Mais ce que j'ai là, ça va pas me suffire en pétrole, donc on va pas être gourmand. Donc vraiment, il y avait que... Ah, plastique ménager, voilà, je suis pas fou. Là, ça m'amènerait plus 5000 de verre. 3300 de consommation de pétrole. Wow. Ah ouais. Mais 5400 de verre. Plastique, plastique, plastique. Eh ben allez, on va aller sur plastique, hein, sauf si ça met trop longtemps. Ouais, la production d'électricité se fait en parallèle, on va aller sur plastique. Et on va commencer à... Il y a 20 000 paysans, je peux faire que 3 plateformes. C'est la DH. L'écran de détail, on va aller sur les potentialités. Alors, j'ai tac, 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 ok. J'ai pas tant que ça. Ah, en Normandie, ah oui, non mais c'est le... C'est la pêche à la baleine. Faut que j'aille en chercher là-bas en Oman ou en état de trêve. Ouais, le mieux c'est les états de trêve. État de la trêve. Je vais y arriver. Ouais, faut que je conquérisse les états de la trêve en vrai. Hein. J'ai pas le choix. Sinon, je vais pas avoir assez de pétrole en fin de partie. En vrai, il n'y a même pas non plus tant de personnes que ça ici, donc population 63. Ouais, ouais, ouais.
veux bien, il y a le Venezuela. On va voir, on va voir. On est encore en 1800. Ouais, quoique 1883. N'y en a pas en Égypte, au bout d'un moment. En Tripolitaine, etc. Mais je crois qu'il y en a. Je crois qu'il va y en avoir un peu plus. Ouais, voilà, c'est le temps que je les découvre. Hein. En Côte d'Ivoire, on en a, c'est bien. On en a 5. C'est pas énorme, mais petit à petit. Alors. Suisse révolutionnaire. Si t'es toujours dans mon marché, je veux bien t'aider. Sinon, marché suisse. Ok, bah va te faire mettre. Fallait pas quitter mon marché. Alors oui, la question c'est est-ce que je pouvais produire 3000 de pétrole? Rien n'est moins sûr. Là, je peux. C'était où? Là, je peux en faire un. Là, je peux en faire un. Là, je peux en faire 4. Il n'y en avait pas un endroit par là où je pouvais en faire. J'ai du mal à voir. C'est pas grave. Il y avait ici. Non, il n'y a pas là. Ouais, si. Hein. Pas aller loin avec ça. Alors, vraiment pas aller loin avec ça. Et je peux faire la chasse à la baleine. Occidentale soit ouais. Australie occidentale. Ils ont même une obligation. Ah, je peux pas les inviter dans le. C'est dommage. Droit de vote des femmes. Allez, c'est good, moi ça me va. On s'entend bien, on s'entend bien. Encore une bonne partie d'impôts non perçus. Je peux jouer là-dessus. On a combien en papier? On est bien, mais sans plus. On est plutôt équilibré. On est à peine. Limite en cherchant à attirer l'attention sur le droit de vote des femmes est morte après avoir été renversée par un cheval de Georges Clémenceau. Ah! Un 2 d'intérêt, ça va, il y en a une chier. Je peux me passer à 53, sur ça de gagner. On a de la plantation au Liberia. Caoutchouc. Ok. On a encore une forte demande en soufre. C'est le temps que ça recrute, hein, c'est ça? On va vérifier. Ça a l'air. En remettre une dizaine quand même. Ah bah non, pas pouvoir. Pas pouvoir. On peut en mettre 4, mais après j'ai pas assez de travail. Oui, ce sont des escrocs. Comment ça, l'Afrique du Sud a un meilleur niveau de vie que moi? Ah ouais. Ouais, ils sont pas mal. Hein. Ok. Improductive, ça veut dire que j'utilise tout, c'est pas non plus. C'est pas un problème loin de là, ça veut dire que tout ce que je produis est consommé. C'est-à-dire qu'en Champagne, la subvention est pas énorme. Alors il demande à ce qu'on fasse passer la loi sur suffrage des femmes. L'Église désapprouve.
propriétaire terrien aussi, je m'en fous. Désapprouvé. Le pape est pas content. Le jour où ils nommeront une pape, on en reparlera. Du caoutchouc en Nouvelle-Guinée. Oh, en Guinée tout court. Ah, c'est bien, ça fait un petit peu d'attraction. C'est quoi les quêtes? Ah ouais, j'ai un seul taux d'agitation? Non, ça passe. Point 1, ok. Au niveau du classement, ça donne quoi? Ok, ils sont assez faibles. On débloque les usines de production électrique. Alors, c'est là où ça va commencer à charbonner. Il va falloir produire beaucoup plus de moteurs. On a 300 en rab. Il va falloir trouver un endroit de production d'électricité. Genre là. Par contre, moi j'ai une question, c'est que c'est combien de moteurs par par usine, par centrale. Parce que c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas plus d'infos que ça, quoi. C'était testé. Ah oui, il avait rimé. 3000 p. Non, j'aurais jamais ça. J'aurais jamais ça. J'aurais jamais ça avec le peu que j'ai. Hein. Clairement pas. Je vais tester de. Je vais tester la subvention. Et on va voir comment ça va me faire. C'est où? Ah, c'est là. Je vais subventionner. On va voir. Voir combien je produis avec la subvention. Se dire avec tous les bâtiments en max. Comment ça Il y a un recalcul bizarre là des. Ah, j'ai une plateforme. Ouais, il y a un calcul bizarre de l'infrastructure. C'est. Ok, alors on va juste faire ça. 325, non, quand même. Il a réussi à prendre qui va. Ouais. On est aux alentours des 500, là je sais pas si. Ouais, mais sachant que. Ouais, faut que je fasse des wagons citernes pour avoir moins de pélos qui travaillent. De toute façon, Cap Nord, ok. C'est bien, il y a de l'or ici. Ok, du caoutchouc ici. Mais ouais, ma question c'est. Le transport, c'est produit par quoi ça déjà les rails? Produit par voie ferrée, putain, uniquement. Je sais qu'après ils font des oléoducs. Mais.
On va faire ça, hein. Ok, ouais, c'est bien ça, plus de droits. Plus de probabilité, je veux dire. Faible accès au marché encore? Ouais, Niger et ça. Ok, bah je vois, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiob. Ciao!